Voilà. Ah, c'est qui ça? Qu'est-ce qu'il fait avec une jupe sur le champ de bataille, lui? Mais ils sont beaucoup, ils sont venus à tous. C'est quoi? C'est la Gay Pride ou quoi? Alors bonjour et bienvenue sous cette nouvelle vidéo. J'espère les gars que vous allez bien depuis la dernière fois. N'hésite pas à t'abonner, tu connais déjà, abonne-toi, clique sur le bouton j'aime. Ici c'est Jonathan Hachi, l'idée de la chaîne, c'est pour te permettre d'être déterminé, passer à l'action, créer ta vue sur mesure. Pour ça, je te propose, si ça t'intéresse, si tu veux faire un petit peu d'argent, c'est toi qui vois après. Hein. C'est mon étude de cas où je te montre exactement comment j'ai fait 40 semaines. C'est gratuit, c'est offert, arrêtez de crier à l'arnaque, arrêtez de crier. Tout le monde aime dire cette bazar. Les gens, ils nous prennent pour des pigeons. Je sais pas qu'est-ce que vous avez contre les pigeons, les gars. Calmez-vous un petit peu, hein. Donc c'est gratuit, c'est offert. Je te montre exactement comment j'ai fait, le prix, comment, qu'est-ce que j'ai vendu, tout à tout, ok. Donc jette un coup d'œil. Et surtout, les gars, rappelez-vous qu'arrêtez d'avoir des excuses, les gars. J'ai grandi à Évry dans 91, j'ai redoublé mon BEP, trop technique, hein. J'ai grandi dans le quartier des Pyramides à Évry, les gars. Arrêtez de chialer. Si tu fais rien, il va rien se passer. Passons directement au sujet de la vidéo. 5 secrets qui va la rendre obsédée par toi, mais sur le long terme. On a changé un petit peu l'approche. Là, c'est sur le long terme. Tu vas te dire, ouais, mais tu te prends pour qui pour pouvoir essayer de donner des conseils? Déjà, j'ai envie de te dire, je fais ce que je veux. C'est Internet. Hein. Pour l'instant, on peut encore s'exprimer à peu près. Tant qu'on reste dans l'agenda, on peut quand même s'exprimer sur certains sujets. Voilà. Hein. Et surtout, les gars, je vous rappelle quand même, hein, pour les petites Géraldines qui vont arriver, ouais, non, mais. Je suis quand même resté 20 ans en relation. Donc, voilà, les gars. Hein, à un moment donné, je sais de quoi je parle, j'ai envie de te dire. Donc beaucoup de gens parlent et il y a les autres. Voilà. Donc du coup les 5 conseils, c'est de mon expérience personnelle pratiquement. Hein. Évidemment avec un petit peu ce que j'ai lu, bah, bon, il y a des choses que j'ai fait en fait naturellement et qui s'est conforté en fait quand du coup bah, j'en ai appris beaucoup plus à tout ce qui est relation de femme, tout ce qui est la nature féminine, etc. etc. comme tu le sais très bien si jamais tu me suis depuis un moment. Et si jamais tu ne me suis pas, de toute façon tu as toute une playlist relationship. Ouais, c'est relation de femme ça s'appelle. Je pense que... Pff, T'as de quoi faire. Ou sinon, il y a Zeus, si tu veux un concentré. Donc, premier secret pour la rendre obsédée par toi, sur le long terme, ça veut dire pas dès le début, parce qu'au début, c'est tout feu, tout flamme. Donc, tout le monde est content. Mais après, quand ça passe la lune de miel, c'est ce qu'on appelle la lune de miel. Après 6 mois, oh, bah, y a plus rien. Bon, ça dépend des gens, après. Hein. Mais premier secret, les gars, c'est la communication, les gars. La communication. Et pas la communication comme entendent les filles, parce que les filles, elles sont dans la communication. Oui, il faut qu'on communique, elle veut qu'on communique. Non, elle veut juste que tu l'écoutes. Non. Là, je te parle de vraie, une réelle communication. C'est-à-dire une communication où tu arrives à un stade, tu peux parler à ton conjoint et vice-versa sans te sentir jugé. Ça, c'est compliqué. Ah ben, du coup, là, j'ai même envie de te dire que les conseils que je vais donner, c'est même peut-être valable pour hommes et femmes. Hein. Laisse-moi voir. Ah non, c'est plutôt orienté homme. Évidemment, de toute façon, la chaîne, c'est pour ça, les gars. Mais vous êtes les bienvenus, Géraldine. Si jamais vous êtes là en mode... espionner pour savoir qu'est-ce qu'il en est au sujet des hommes, tu fais bien. Donc communication, c'est-à-dire alors comment tu travailles là-dessus? Il faut qu'elle sente que genre, quoi qu'elle te dise, elle ne sera pas jugée. Et ça, je te cache pas que ça prend du temps. Ouais, ça, je te cache pas que ça prend du temps. Ça veut dire qu'il faut passer des moments seul à seul, il faut qu'elle se sente à l'aise, que quand elle fasse quelque chose, tu ne dois pas te dire « Ah, toi, tu fais ça, toi ?» Ah, non. Faut vraiment que tu sois genre en mode ouvert, etc. Parce que moi j'ai entendu des histoires, des meufs qui n'osaient pas dire certaines choses qu'elles auraient peut-être voulu, imaginons dans l'intimité, parce que elle sait que l'autre il va dire ah mais toi en fait ah, il va la voir d'une manière un peu dégradée. Bon je te prends l'exemple de l'intimité, mais ça pourrait être d'autres exemples, tu vois. Donc pour arriver à un stade où la communication elle est tellement forte que genre il n'y a plus de jugement et qu'on peut tout se dire et que du coup on peut s'écouter, on peut se comprendre. C'est important parce que la différence elle est tellement énorme entre les hommes et les femmes que si jamais vous n'avez pas une communication comme ça, la meuf elle va jamais comprendre pourquoi tu agis comme ça et pourquoi tu penses comme ça. Et parce qu'en général elle s'en bat les reins, mais bon, normalement si tu travailles sur la communication, elle va, vous devriez avancer dans ce sens pour pouvoir vous comprendre et vice versa pour toi. Quand elle va agir d'une manière, bah, tu vas comprendre, etc., etc. Donc la communication super puissante dans le sens où arriver à avoir des échanges sans se sentir jugé. Et quand vous arrivez à ce niveau-là, normalement, t'es bien. Non, mais ça prend du temps, ça. Ça veut dire qu'il faut partir des moments seul à seul, pas partir en vacances avec tous tes potes et tout. Non, tu pars avec ta meuf, une semaine, vous êtes que tous les deux. Vous n'aurez pas le choix, il va falloir parler. Donc, vous allez parler, vous allez apprendre à vous connaître, etc. Et tu apprends toujours
Ça, c'est aussi un truc qui, je l'ai pas noté, mais au fil des années, tu connais jamais la personne. Tu crois que tu la connais, mais tu la connais jamais. Tu vas toujours apprendre plus en profondeur la personne, etc. Toujours. Et plus les années vont passer, plus tu vas apprendre à la connaître, plus tu vas connaître des secrets dont elle a jamais parlé avec personne, plus vraiment ça sera puissant. Ok, donc communication, les gars. Deuxième secret, les gars, toujours rester in shape, les gars. Ah bah ouais, les gars, vous pensez que c'était magique? C'est comme l'autre qui disait, les gars, tu sais, Joe, je savais pas que les femmes, elles sont physiques, mon gars. Ah bah écoute, apparemment c'est un scoop pour toi, bah ouais, elles sont physiques. Alors évidemment, elles sont pas aussi physiques que nous les hommes, parce que nous, on est comme, c'est la base, quoi. C'est la fondation pour nous, ok? Mais elles sont quand même physiques, les gars. Donc oui, si jamais t'es toujours in shape, oui, ça va l'exciter beaucoup plus que si jamais t'as du bide. Si t'as le six-pack, à un moment donné, les gars, ça, c'est la base. Il faut toujours que tu sois au top. Enfin, moi, c'était mon leitmotiv. Toujours au top. Il faut pas que genre, quand elle regarde la télé ou quand elle regarde un truc, un strip teaser ou je sais pas quoi, qu'elle se dise, ah, j'ai ça à la maison. Ça, c'est votre objectif, les gars. Et si t'es une shape, tout va rouler déjà au niveau du sexe, tout ça, il y aura pas de problème, elle devrait pas avoir mal à la tête normalement. À moins que tu sois vraiment un bêta, genre vraiment, tu t'es féminisé. Donc forcément, elle sera repoussée, ça c'est normal. Hein. La femme, elle est attirée par le masculin, normalement. Mais si t'es in shape, tout devrait rouler. Donc ça, c'est important. Arrêtez de croire qu'il n'y a que l'argent, etc. Ouais, il faut aussi être in shape, les gars. Ouais, mais il faut tout être, c'est dur. Pff, les gars. Bien sûr qu'il faut être au top partout, les gars. Ben voilà. Si tu n'étais pas au courant, t'es au courant maintenant. Il faut être au top partout. Troisième secret, c'est qu'il faut que tu sois un leader. Il faut que dans le couple... Il faut que tu leads, il faut que le couple ait un projet, il faut que quand elle a une problématique, elle sente que tu es la personne qui pourrait l'aider, qui pourrait avoir la réponse. Si jamais quand elle a un problème, elle pense pas à toi, si jamais quand elle a un problème, c'est pas vers toi qu'elle a envie de te poser une question, elle se dit, putain, je vais plutôt poser la question à Brian, je pense qu'il sera plus apte en tant qu'homme pour pouvoir me répondre. Là, on est mal pareil, les gars. Là, on n'est pas dans le bon truc, les gars. Mais si par contre, quand elle a un problème, elle a envie d'aller vers toi, elle a envie de te poser des questions, elle veut savoir ton avis, qu'est-ce que tu en penses, c'est qu'elle te considère, c'est qu'elle te respecte, c'est qu'elle sait que tu es un leader, que tu es quelqu'un qui peut résoudre les problèmes, que tu es un rock, tu es quelqu'un sur qui on peut compter, tu es le chef de famille, quoi, en gros. Moi, je me rappelle une de mes ex, mon petit frère, il lui avait posé une question, et elle a dit, ouais, franchement, je sais pas, mais elle m'a dit, mais demande à ton frère. Elle m'a dit, demande à ton frère, il va sûrement avoir la réponse, hein. Tu vois, c'est ça que tu veux. Je dis pas ça pour me la raconter, les gars. Peut-être. Mais déjà, je fais ce que je veux, hein. Bon, bref, en tout cas, tout ça, t'as compris le principe. Tu vois, l'idée, c'est que tu puisses être un leader. Les femmes aiment les gars ambitieux. Les femmes aiment se sentir en sécurité. Ok, tu gères. Financièrement, on est bien. Il y a une vision. Ok, je te suis. Je suis féminine. Oh, je me laisse aller. Parce que je sais que je suis en sécurité avec toi. Voilà, ben c'est exactement ça. De toute façon, les filles, si vous n'êtes pas d'accord avec moi, vous pouvez me mettre en commentaire. Vous pouvez me dire, il dit n'importe quoi. Évidemment, de manière respectueuse. Hein. Tous les gens qui mettent des commentaires qui ne sont pas dans le respect, je bouge le commentaire. Quatrième secret qui est important, c'est que tu dois être dangereux. En tant qu'homme, les gars, vous ne pouvez pas être inoffensif. Ça n'a pas de sens, les gars. Je vous rappelle, quand il y a une guerre, c'est vous qu'on envoie en guerre. Donc, tu es censé quand même, intrinsèquement, être un petit peu dangereux quand même. Parce que si tu vas en guerre, tu es là, Poutine, ça va pas le faire, les gars. Je suis pas sûr que Poutine. C'est qui? C'est ah? Voilà. Non, c'est qui ça? Qu'est-ce qu'il fait avec une jupe sur le champ de bataille, lui? Mais ils sont beaucoup. Ils sont venus à tous. C'est quoi? C'est la Gay Pride ou quoi? Non. Ok. Donc, les gars, soyons sérieux à un moment donné. À un moment donné, les gars, il faut que vous soyez dangereux, mais en même temps, gentleman. Ouais, bah c'est ça le. Oui, bah ouais. C'est les deux. Quoi. Ça veut dire que tu sois dangereux, mais classe. Un peu James Bond. James Bond, c'est l'exemple parfait. Voilà. Tout à fait. Classe. Et en même temps, il te met des coups de coude dessus. Oh, non ! Tu vois ? À un moment donné, voilà. Donc, il faut que tu sois dangereux. Ça veut dire quoi ? Bah, que ce soit déjà... Donc, si déjà, tu as une certaine stature musculaire, bah, je ne veux pas te mentir que ça aide. Hein ? Et puis après, si tu fais un sport de combat... Même le sport de combat, c'est bien. Ça te permet tout. De toute façon, je t'ai dit qu'il faut que tu sois une chef, donc il faut que tu aies la salle de sport. Donc tu prêtes du muscle et que en plus, si jamais tu fais un sport de combat, ça va te donner confiance en toi. Les deux choses vont te donner confiance en toi, même que ce soit de la manière de t'habiller, de la manière de te présenter, les autres hommes vont te respecter. Enfin voilà, tu vois. Et puis elle se dit, bon bah si jamais je sors, on est en sécurité. Hein. Si on est avec les enfants et tout ça, il y a un problème, mon mari il va te casser la bouche. Ou si jamais il y a un gars qui fait son malin, fais attention, j'ai appelé mon mari. Voilà.
Alors que si jamais, genre, elle sait que t'es sous le canapé comme ça avec une bière et que t'as du bide, elle se dit, quand elle voit le gars, je vais appeler une copine, tu vois. Si jamais elle a un problème, elle se dira pas, tiens, j'ai appelé mon mari. Hein, c'est comme j'ai vu une vidéo où c'est la meuf qui est la Kaira. Ça veut dire c'est la meuf qui embrouille, qu'il y avait une altercation, je sais plus pourquoi. C'est la meuf qui embrouille. Mais ça fonctionne pas comme ça. Parce que du coup, elle a embrouillé, elle s'est lâchée. Hein. Elle a voulu mettre une gifle au gars. Le gars, il a dit, mais attends. Donc le gars, en fait, ouais. Ah non, je me rappelle bien. En fait, la meuf, elle a giflé le gars. Mais le gars, comme c'est une femme, je crois qu'il l'a pas mis une gifle. Je crois qu'il a mis une patate au gars à la place. Ou il a dû juste la pousser. Et il a mis une patate après au gars. Donc tout ça pour dire, les gars, vaut mieux tout gérer. Sinon c'est le bordel, les gars. Donc dangereux, tu connais, pour satisfaire son besoin de sécurité, qu'elle se sente qu'elle est avec un homme, quoi, tout simplement. Hein. Et cinquième secret, c'est d'avoir une vision, bosser pour pouvoir faire rentrer de l'oseille, avoir de l'ambition. Tout ça, ça va booster toute la famille. Ça va donner un exemple. Si tu as des enfants, ça va donner l'exemple à tes enfants. Parce que tes enfants, ils font pas ce que tu dis. Hein. Ils font ce qu'ils te voient faire. Ça, faut arrêter, les gars. Des histoires de moi je fume et genre j'ai dit à mes enfants de pas fumer, t'es là. Oh Gérard, Junior. Hein? Qu'est-ce que je fais? Je regarde la fenêtre, voilà, c'est des oiseaux, hein? Voilà. Non. Par contre, les gars, fumer, c'est pas bon, les gars. Hein? Va dans ta chambre là. Hein? Mais papa, t'as quoi dans les doigts? C'est rien. Je suis en train de me gratter là. Voilà, c'est bien, allez. Non, ça fonctionne pas, les gars. Donc, avoir une vision, être déter, ça booste tout le monde, ça booste toute la famille. Et là, t'es bien. Avec tout ce que je t'ai dit, elle peut pas être autre chose que obsédée. Parce qu'en fait, tu remplis toute son hypergamme, en fait. Ça veut dire que si jamais tu es tout ce que je viens de te dire, déjà, juste t'es une chèpe, tu as mis en PLS tous tes potes qui sont autour de toi. Voilà. Alors, si après tu fais de l'oseille, si après tu as des visions, mais gars, tous les soirs, elle n'en pourra plus. Tu seras fatigué, tu vas dire non, là, chérie, c'est bon. Là, ce soir, s'il te plaît, laisse-moi me reposer. Tu vois? Donc, voilà. Ne me remercie pas, ça fait plaisir. Enfin, si tu peux me remercier quand même, tu peux mettre un petit j'aime et me dire ce que tu en penses en commentaire. Donc, voilà, c'est tout pour cette vidéo. Laisse-moi me dire ce que tu en penses en commentaire. Oui, ça fait deux fois que je le dis. Voilà. C'est pour être sûr que tu le fasses. Et. Si jamais tu veux aller plus loin avec moi, par exemple, pour pouvoir faire de l'oseille, ta pirate marketing, que je te montre exactement toutes les stratégies pour atteindre au minimum les 5K par mois. En plus, j'ai rajouté des bonus complémentaires sur comment investir dans l'immobilier, comment investir dans la startup, comment investir dans la crypto-monnaie, quoi d'autre encore? Sur le personal branding, sur l'e-commerce, ok? T'as tout ça en plus de pirate marketing et en plus de plus, tu as accès à l'incubateur qui donne accès à du coaching en fonction de la formule que tu vas choisir, tu auras accès à du coaching. Qu'est-ce que tu veux de plus? Et tu peux y accéder grâce à ton CPF si jamais tu le souhaites, ou tu peux passer par ta carte bleue, ce qui m'arrange beaucoup plus, hein, je ne vais pas te mentir. En tout cas, si tu veux en savoir plus, tu as tout en description, tu as juste à cliquer sur le lien dans la description. Tu pourras prendre un appel offert, donc tu mets ton numéro de téléphone, il y a un membre de mon équipe qui va te rappeler et tu pourras poser toutes tes questions. L'appel, il est offert, les gars, c'est gratuit, arrêtez de stresser, c'est sans engagement, tu poses toutes tes questions, voir si jamais ça peut te correspondre, ok? Si ça te correspond, on va te donner les accès, après on va t'aider à monter d'abord ton dossier. Et après, on va donner les accès à Pirate Marketing. Et si ça ne te convient pas, ben, tu dis ok, super, merci. Évidemment, la politesse, merci. Nous apprécions, merci de l'échange, mais ça ne m'intéresse pas. Voilà, merci beaucoup. Voilà, tranquille. Voilà. Et voilà, et tout le monde est content, tu vois. Donc après, pour ceux qui vont se lancer dans Pirate Marketing, les gars, je vous rappelle, c'est pas un bouton magique. Hein. Va falloir taffer. Voilà, je sais que c'est rare que personne ne le dise, ça, mais va falloir taffer. Ouais, je sais. Donc, c'est 2 à 5 ans, les gars. Moi, c'est ce que j'ai vu en moyenne, la réussite, 2 à 5 ans, pour pouvoir être libre, pour pouvoir être bien. Donc, voilà, c'est tout, les gars, pour cette vidéo, les gars. On lâche rien et on reste déterminés. Il y a eux et à nous. Je suis allé ton camp.